Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo présentation de personnages sur Anime Fighter Simulator. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le craft du premier monde, DBZ. Donc, hop, regardez, hop, craft, on a déjà les 5 shards. Hop, on va descendre tout en bas, vu que ça fait très longtemps. Comme vous pouvez le voir, j'en ai 5 ici, mais je vais vous montrer une spécialité du craft. Hop là, regardez. Hop, on a les 3, dont un tiny. Si vous voulez voir à peu près le tiny, c'est équipe. Comme vous pouvez le voir, la différence, on voit la taille. Voilà. Donc, c'est juste pour vous montrer. Donc, allez, c'est parti. On va crafter le perso craft du premier monde. Attention, il est là. Et voilà, on vient de l'avoir. Hop, comme ça, on l'équipe direct. Il est où? Il est ici. Et comme vous pouvez le voir aussi, il a récupéré le passif d'un perso qu'on a fuse. Voilà à peu près. Donc hop, on va l'équiper. Bon, voilà. C'est vrai que je peut-être pas pensé, mais bon. Voilà. Avec une petite aura assez stylée. Donc on va directement le faire ah oui, le faire attaquer. Ah, petite spécialité comme vous avez pu le voir, hein, quand on open, ils sont niveau vraiment 2. Là, il est niveau 19 car j'ai fuse avec, je l'ai craft, pardon, avec un perso qui était quand même niveau 55, si mes souvenirs sont bons. Donc, je crois, je sais pas ce qui se passe, mais je crois qu'il prend la moyenne des 3 persos. Donc, c'est bon. Hop là. On va directement activer les effets pour pouvoir voir son attaque. Puis, on est parti pour voir son attaque. Ah, si on peut l'avoir. Ok. Ouais, donc non. On va faire un autre. On va aller. Toc toc toc. Allez, on va aller à un petit fruit Island pour pouvoir mieux voir cette attaque. Vu que là, vraiment, c'était pas trop. On pouvait pas vraiment la voir. Voilà. Donc là, hop. Il recule puis un gros slash et pour faire ça pour un gros kamehameha pardon et boum gros le énorme kamehameha et il a besoin de 3 coups pour faire son attaque comme vous pouvez le voir. Passons au stat maintenant. C'est pas ici pardon, c'est ici. Il est ici comme vous pouvez le voir. On va le comparer juste avec le mythique. Déjà comme vous pouvez le voir, niveau 1, ils font énormément de dégâts. Mais nous, ce qui va nous intéresser, on va faire directement niveau 50. 13 000 pour le mythique et 20 000, donc 7 000 de différence. Par rapport au mythique shiny, le mythique shiny est un peu plus fort de 4 000 de dégâts. On passe directement au niveau 100. Tac, 3,3 millions pour le mythique. Et 4,9 millions, ce qui fait une différence de 1 million 600, 1,6 million. Voilà. On va passer directement, hop, niveau 150, 800 millions. Hop, et là, 1,2B, donc 400 millions de différence. Pendant ce temps-là, en mythique fait 1,4 billion, donc juste 200 millions de plus. Donc en réalité, le craft est quand même très puissant. On va passer maintenant 175, 12 billion pour le mythique, alors que pour hop 19 billion, donc 7 billions de différence entre les deux. Ensuite, niveau 200. Hop là, 190 billions.
est là, 290 billions. Donc 100 billions de différence. Maintenant, niveau, pardon, hop, 225, le niveau max. 3 trilliards. Et ici, 4,5 trilliards. Donc 1,5 trilliard de différence. Et 5,3, pardon, hop, 4,5 et 5,3, donc 0,8 trilliards pour entre le craft et le mythique Shiny. Donc le mythique Shiny est quand même un peu plus puissant. Donc bah, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un gros pouce bleu.